Hello, hello, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, mes amis? Comment allez-vous? Comment ça va? Est-ce que ça va bien? Eh bien, on est déjà en ligne. OK, merci d'être venu. Yes. OK, we are here. We are waiting for some guesses. OK, let's go pray. Let's go pray. We have some guesses with us. We are going to praise and worship together. But before everything, we are going to pray. Pas vrai, mes amis? Comment nous y est là? Ça passe. Mes amis, eh ben, c'est toujours un plaisir pour moi ensemble avec nous. Et que moi, vraiment content. Moi, j'espère que nous te passons une très bonne semaine, mes amis. Bon, me retirer en lunettes, moi, pour me capable ouais nous, pour m'ouvrir les yeux, pour me capable nous, pour se mettre en vie ouais nous. Bah, regarder nous derrière en glace, c'est pas vrai? OK, guys. So, let's go. On va prier. On va prier le bon Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons relayer le bon Dieu pour capable prendre contrôle live l'après-midi. OK, fermez les yeux, nous. Je connais pas mes yeux. Fermez les yeux. Tranquille pour moi, s'il vous plaît. OK. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, nous disons merci. Merci, Seigneur. Merci infiniment. Parce que au bon un grand privilège pour nous capable l'après-midi, c'est une grâce spéciale. Grand pile, on ne dit pas jouer une opportunité, ça. Mais quand pour nous-mêmes, on fait nous présents, on a besoin de temps, prie, Seigneur. Prends contrôle de tout sacral, dit. Que après-midi, enfin, un après-midi de bénédiction pour tout le monde qui a monté sur le live, ça. Seigneur. T'en prie, dirigez ça nous pral dit que chaque monde qui a parlé là, chaque monde qui a pour faire un bagage, il va faire selon ta volonté et que il va aller toucher que directement que aux gens voulaient que au toucher. Nous comptons sur présence ou dans la vie nous comptons sur présence dans la vie chaque monde qui a intervenu. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui vit et règne au siècle. Amen. OK, comptez nous mes amis. Ah, Sister Pauline, hello. Hello Sister Pauline, welcome to the live. Eh bien mes amis, comme m'a été annoncé nous, aujourd'hui on a fait un résumé. Sœur Claudine, moi salut. Bon Dieu béni, moi était content wow pendant semaine là. Vraiment en vie. Ouais, moi était content wow. Et puis malheureusement ça me déporter pour moi, pas faute elle me serrer le bout. OK, ça c'est secret moi avec Sœur Claudine. Sœur Galine, bienvenue sur live là. Bon Dieu béni, bienvenue tout le monde qui sur live là, que bon Dieu béni nous. OK. Après-midi, this afternoon, because we are about to close the book of Romains, oui, l'ina fermé jodi a, comme nous pral fini, nous gen guest nous, gen guest kap vin parler, kap expliquer nous, pasteur nous kap vini. Mais en attendant, let's welcome our beautiful lady, our beautiful cousin. Nous battons bel bravo pour moi parce que nous allons passer en ce moment d'adoration et de louange parce que nous avons fait mes livres là. So, Sister Edwige, Abin Kembeno dans l'adoration et la louange. OK? Let's be ready, guys. OK? Yes. N'a passé, c'est sûr que nous sommes dans un guest, nous passons dans un ville ensemble avec nous, mais là, on a passé Edwige, en quelques minutes, juste en 5 minutes, juste pour nous arrêter dans l'adoration pour ceux qui passent dans ces villes déjà là. Que bon Dieu bénisse nous, et puis à 5h15, comme ça, et puis nous passons pasteur. OK, let's welcome our belle petite pinoua, belle petite zominoua. OK, belle petite maminoua. Côté pour Abdias, bon, moi, love you, mes amis, pour Edwige, je suis capable de welcome, non. Ça gagne là, mes amis. Yes, bravo. Yes. Edwige Philogène, Madame Philogène, she's with us this afternoon. Welcome, Edwige, to the live. Et tout bagage, c'est pour passer temps pour adorer ensemble avec nous. Hello, cousin Nathalie. Thank you for inviting me today. God bless everybody. Merci d'être venu. Merci d'être présent. Que le Seigneur vous bénisse. N'a pas adoré ensemble parce que bon Dieu méritait toute gloire. Amen. Sous quoi ça? Fais-moi sentir ça. Fais-moi voir quelques likes parce que bon Dieu méritait ça. Amen. Gloire à Dieu. Vous méritez toute gloire. À tout honneur. Pendant ma pleuvée, mes mains en pour m'adorer, non, ou qui saint, ou méritez toute gloire, oh yes, à tout honneur. Seigneur, pendant la pleuvée,
men an lè pou n'adore nan ou ki se paske ou gran. Ou fè mirak yo si gran. Pa geye yo lot tan kou. Seigne pa geye yo lot tan kou. Paske ou gran. Ou toujou fè gwo mirak. Non pa geye yo lot tan kou. Non pa genye yon lot tan kou. You deserve the glory. Oh yes you do. And the honor. As we lift our hands and worship. As we lift your holy name, you deserve the glory. Yes, and the honor. As we lift our hands and worship, oh, as we lift your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Altissimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, Jesús, mi Dios. No hay nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, pa genye yon lot tan kou, pa genye yon lot tan kou. Hallelujah. Yes, praise Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. God bless you today. Thank you. Thank you, Sister Edwidge. Thank you. Thank you for coming. Thank you for praising with us. Thank Amen. You for everything. And God bless you. May God bless you, cover you. May God protect you. Be yes, blessed. Ma'am. Be Thank blessed. You. Love you. God bless everybody. Yes, bye. Ok, guys, so, nous t'es vraiment content pour nous t'es passé moment ça, pour nous t'es passé un moment d'adoration et de louange avec Sister Edwidge. Et nous avons salué quelques-uns qui sont live là.
n'a demandé ou prend petit temps pour partager live ça. Partager, il est vraiment important que nous partager live ça parce que là pendant view théologique pasteur Dansinville, c'est lui-même qui guest cet après-midi, l'a bien expliqué nous un peu de livre de Romains que nous prenons temps pour nous te lire et puis l'a expliqué nous un tout petit peu tout ça que nous besoin qu'on ait lui-même qui parce que chaque monde dans domaine yo pasteur Dansinville dans domaine parle, c'est ça lui fait et que l'a pas détaillé au livre Romains ensemble avec que bon Dieu bénisse, que moment ça va bénir pour nous. On nous welcome pasteur dans Saint-Ville, nous saluons Dan Fred, nous saluons sœur Claudine, sœur Pauline, Delice de Nazaréen, pasteur dans Saint-Ville de Nazaréen aussi. Nous gagnons Guerline Saint-Charles, Pierre-Louis Monique, nous gagnons Lenia, Monique Contant-Wayedouille, Lenia, sister Lenia, ministre Lenia qui est avec nous. Yes, yes. Nous avons Frère Alvarez qui est ensemble avec nous. Dan Fred, welcome. Nous avons Frère Abdias qui passe de présentation. Que bon Dieu bénisse tout le monde. Sœur Mona qui souligne. Que bon Dieu bénisse nous. El Shaddai, nous qui bien plus mon El Shaddai en Bible Alliance qui est ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse nous. On nous welcome. Voyez quelques love, quelques like. Nous connaissons live là, c'est qu'on s'allie pour nous welcome, pasteur. Ernst Dossinville qui est ensemble avec nous après-midi. Hey, pasteur! Welcome, welcome! Bienvenue sur live là! Ou bienvenue! Même nous qui t'attendons, nous t'annonçons qu'on y a ça, c'est moment pas où pour détailler avec le peuple là. Qui ça, c'est à dire? Donc, on va connaître si nous recevons moins 5 sur 5. Yes, très bien. Très bien. Donc, excusez-moi, c'est nous restituons un petit genre qui est en bas là. That's fine, that's okay. Everything is fine. I got to set my scene. But moi remercie le Seigneur parce que moi j'ai opportunité pour moi avec nous et moi remercie c'est Nathalie qui prend initiative ça fait longtemps l'a encourager nous pour nous lire la parole. Et c'est vraiment important l'a encourager nous pour nous lire la parole. Et nous connaissons qui importance la parole gagnée dans la vie nous comme chrétiens. C'est même gens si nous pas la parole, nous ne pouvons pas respirer bien si nous pas la parole et nous manque de nourriture pour nous encourager lui dans et initiative ça que le Seigneur continue aider lui pour que nous capable continuer faire travail ça. Et moi saluer tout ensemble yo mon connait gagne en pile et amis qui connecté ensemble avec nous et amis nous un peu partout ça fait longtemps que nous tout sur route la via et nous pas compter face à face mais après il y a la plateforme et Jean Natalia elle permet que nous capable ouais une lot. Et peut-être dans un moment qui va arriver qu'on est capable de venir saluer moi, venir dans mon mystère pour venir voir moi et donc pour permettre que on capable font face à face mon bon ami ça fait longtemps que et nous perdu contact et face à face là donc nous pas perdre trop temps après-midi ça fait un petit temps et c'est Nathalie demande moi pour que moi capable et après le fin faire lecture de l'épître aux Romains, comment que je suis capable de faire un ramassé, puis on ramassé de livres là. Donc, le job après-midi, c'est faire un ramassé. Et son livre qui est tellement riche avec information, même si nous avons fait toute l'année, on a intervenu sur le livre là, chapitre par chapitre, verset par verset, phrase par phrase. Donc, on a pris un bon petit temps pour nous étudier un livre comme ça. Parce que le livre là est chargé de informations qui bon pour la vie chrétienne. Donc qui t'aime dire que our framework ça n'a pas parlé après-midi, on a parlé brièvement de importance livre là, importance que livre là gagne et dans la vie chrétienne, dans l'histoire de la vie chrétienne et nous va parler de au qui monde qui écrit livre là, nous va regarder et qui côté livre là t'est écrit, nous va regarder dans quelle période livre là t'est écrit, nous va regarder l'église romaine comment l'église est fait établi dans Rome et n'a regarder pour qui raison livre ça t'est écrit, n'a regarder verset clé qui est dans livre là
et ensuite nous capables garder et quelques en grand plan et différents chapitres qui gagnaient dans le livre là. Donc c'est ça que nous allons faire après-midi. Il y a plusieurs monde qui écrit sur livre ça et ils ont fait des commentaires pour parler de l'importance la lettre de Paul aux Romains. Ils ont dit c'est une principale livre dans le Nouveau Testament. C'est une l'évangile de Gaspou qui la plus pure et que tu as capable d'exprimer et que on dit que tout chrétien et qui conséquent pas ta doué un livre ça pour seulement lire comme ça mais c'est un livre que tu as doué mémoriser, c'est un livre que tu as doué qui occupe l'esprit yo, et que la lettre de Paul Romain l'état doit faire partie de our daily bread, our daily spiritual bread. Pour moi, et dit que c'est bon livre que nous capables seulement finir, nous quitter le comme ça, mais li encourager que nous capable lire livre ça souvent et chaque fois li ou pas jamais finir assez. Donc il dit plus ou prend temps pour le livre là, c'est plus devine pigou, c'est plus ou gain plus envie li livre là, c'est pour parler de importance que livre là gagne, comment et enseignement que gagne la donné et comment les nous prend temps pour lire il capable aider nous dans la vie chrétienne. Je dis que Paul écrit environ 13 lettres dans le Nouveau Testament et lettre de Paul aux Romains, c'est m'a dit que c'est plus gros pièce, c'est un plus gros livre dans toute ça l'écrio. Donc, si les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils présentent les œuvres et les paroles de Jésus, mais lui-même, Paul, dans sa lettre aux Romains, lui plus voulait faire nous voir qui signification sacrifice Christ-là, l'amour Christ-là sous la croix, qui signification ça gagne, qui ampleur, qui valeur, li vin bak ak l'évangile. Le Matthieu, Marc, Luc, Jean, il a rapporté les actions de Jésus, les miracles de Jésus, il a rapporté le ministère de Jésus, mais Paul allait plus loin pour dire que, hey, vous connaissez Jésus qui est mort là, ça a une signification beaucoup plus profonde, des une signification que nous besoin qui est important. Mais la lettre de Paul aux Romains, lit plus un livre théologie. Lit c'est un livre qui chargé d'exhortations pratiques, qui montre nous comment pour nous vivre par la foi, comment et pour nous comprendre le travail de Dieu dans notre vie. Donc, c'est à travers le livre ça, la lettre de Paul aux Romains, lit traiter toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne. Toutes les grandes doctrines de la foi chrétienne. Quand tu as parlé de la doctrine du péché, quand tu as parlé de la doctrine de la grâce, quand tu as parlé de la doctrine de la sanctification, de la justification, le salut par la foi, etc., la vie de sainteté. Donc, la lettre de Paul, c'est en toile de fond pour la vie chrétienne, parce qu'elle traitait toutes les grandes doctrines de la vie chrétienne. Toutes les grandes doctrines de la vie chrétienne, vous joignez dans la lettre de Paul aux Romains. Donc, ainsi, le livre-là est important pour nous. Maintenant, nous allons voir comment est important ce livre-là. Il est important pour nous lire chaque jour. Nous ne pouvons pas faire lire assez. Chaque fois, lire, on voit toujours que le livre est plus important. Et pour me dire que le livre, ça, il est à la base de toute la réforme protestante. Il est à la base de grands mouvements. Martin Luther fait, quand il parlait que les 95 qui parlent, quand il va en divorce même avec l'Église catholique, puisque la vie avec la grande pensée, le juste, c'est par la foi. On est justifié par la foi et ça va la boutille menel vers écrit ces 95 thèses comme on proteste à toute doctrine que l'État va prendre à travers l'Église catholique, Martin Luther et l'autre monde, qui a vu été touché par le livre. Regardez maintenant et qui m'a écrit le livre là. Nous, depuis le commencement, nous dit que c'est la lettre de Paul aux Romains.
OK? Les gens qui ont l'autre opinion, mais le texte nous dit que, par l'autre monde, l'être assorti en bas plume, notre apôtre, l'apôtre Paul. Déjà, dans chapitre 1, verset 1, il introduit tête, il dit moi, Paul, serviteur de l'Éternel, il introduit tête comme monde qui mettait plumé pour l'être ça. Et pas non seulement Paul, dans verset 1, il introduit tête, mais il y a en pile, ça m'a relé, des évidences extérieures. Il y a en pile monde qui d'accord que c'est Paul qui écrit le livre là. Par exemple, on a parlé les pères de l'Église, on a parlé on est avec Clément de Rome, on a parlé on est avec Polycarpe, on a parlé de Irénée Tertullien. Donc là, appelé l'histoire de l'Église, donc on est messieurs ça yo, ces pères de l'Église, yo te gagné parole pa yo non et bail theological system by system theologique non frame mais messieurs ça yo d'accord que Paul, c'est lui-même qui bat le bien l'auteur de ce texte. Maintenant, bah non seulement le livre est important pour nous lire chaque jour, parce que c'est la base de la foi chrétienne. Nous. Et deuxièmement, nous connaissons Paul qui écrit, chapitre 1, verset 1, il a déjà dit nous ça, il bat nous évidence là, sans compter ça l'autre monde va dire. Ensuite, c'est qui côté le livre là écrit. Le livre là, ah ben, il dit nous, et tout évidence, il dit que c'est pendant que Paul était à Corinthe. Pendant que Paul était à Corinthe, c'est là et là ça, il prend plume pour l'écrire lettre là. Qui ça comme raison pour nous dire ça? Qui raison nous gagner pour nous dire ça? En main, il dit nous comme évidence, nous joignons que Michel a parlé de Garius. Il a parlé de Garius, Garius et salutation qui sont dans mes Garius. Mais Garius un homme qui t'a vivre dans Corinthe même. Chapitre 16, dans chapitre 16, verset 23, liban nous raison, liban nous appui. Et là, les 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 14, liban nous appui pour dire que, ah, si tu as cherché un témoin, on moun boude non, qui laisse mon gars dit Paul d'écrire ça, ah ben, frère Garius, li taban nous témoignage, oui, oh, m'te reconnaissance que Paul li écrit pendant que li était à Corinthe. Li parlait de certains Eraste et monsieur tout son homme qui t'a vivre dans pays dans la ville Corinthe ou capable voir ça évidence là dans Romains chapitre 16 verset 23 et là li dans 2 Timothée 4 verset 20 li bon preuve que monsieur ça yo connaît yo capable témoigner pour frère Paul monsieur te mettre premier pour l'écrire. Yo parlé de l'autre femme encore Phébé. Phébé en ben dans même chapitre 16 verset Romain chapitre 16 verset 2, yo dit que Phébé en ben il était impliqué dans des massa, il était impliqué dans ministère ça. Donc Phébé son l'autre figure qui ca ban nous témoignage. Et qu'a dit nous, pas non seulement frère Garius, pas non seulement frère Eras, pas non seulement, mais Phébé aussi, c'est un diaconès dans l'église, qui remplit un rôle dans l'église, là, à Corinthe, ou bien plus tard à Rome, mais nous dit que, lui, a ben nous témoignage. Donc, nous connaissons Paul qui écrit le livre là, nous connaissons Paul, le livre là, c'est à Corinthe, lui écrit. Ensuite, the timing of the writing, c'est dans quelle période qu'elle écrit. Ça dépend de qui monde qui analyse le livre là. Pasteur, avant nous arriver dans quelle période, nous avons que nous prenons une petite note, mes amis. Nous avons que nous prenons une petite note parce que nous sommes sans attendre la semaine passée, nous sommes juste pour back to school. Nous avons fait un programme ensemble avec nous. Nous avons que nous prenons une note qui est en romain écrit. C'était à Corinthe que Pasteur Dossel fait dit nous. Et puis qui est ici, toutes conditions réunies, selon tout écrit, c'est Paul qui écrit le livre ça. So nous gagnons, Paul écrit, et puis c'était à Corinthe. Tant pis, prends note de ça, parce que c'est sûr que nous avons une question. Nous avons juste venu pour nous donner des surprises pour vous. Ou juste besoin de deux petites notes samedi. C'est Paul qui écrit le livre Romain, et puis qui Paul écrit, c'est à Corinthe. Sur point référence biblique, c'est Romain, chapitre 16, verset 23. Nous capables de gagner l'autre référence biblique toujours, mais nous prenons ça toujours. OK, pasteur, on va continuer. Donc, définitivement, prends note, parce que pour quelqu'un cadeau, pour quelqu'un question, pour quelqu'un examen. Donc, c'est pour nous prendre note, non, pour nous songer.
Donc, maintenant, on a parlé de dans quelle période que le livre a écrit. Et les recherches que je fais, on dit que le livre a écrit entre l'année 57 et 58, entre l'année 57 et 58, pendant le troisième voyage missionnaire Paul. Livre avec des apôtres, c'est un livre qui a aidé à comprendre le parcours missionnaire de Paul. Donc, les dinons, et Paul, son homme qui a marché un peu partout, tantôt je venais en Espagne, tantôt je venais un peu partout, en même temps, il dit que dans, entre l'année 57 et 58, donc, pendant le troisième voyage, on joint et référence dans Actes chapitre 20, le verset 1 à 3, avant que monsieur arrive à Jérusalem, pour que l'Italie cherche aide pour aider et pour aider l'autre chrétien qui en a besoin, amen, je dis que donc c'est dans la période ça. Il y a l'autre verset, il y a l'autre référence à l'appui qui permet de nous courir ça, Romains chapitre 15, verset 25 à 26, ou capable de lire avec des apôtres chapitre 20, le verset 16. Acte 24, verset 17, l'on lit passage à Isaïe, libre pas qu'on missionnait Paul, amen, il dit que, amen, monsieur écrit l'être là pendant la période entre l'année 57 et 58. Now, question. Tout le monde d'accord que Paul écrit l'être là à l'église, l'église Corinthe, mais il est d'accord tout que Paul pas si là qui établit l'église là. C'est pas lui qui fondait l'église là. Car il est l'église vrai Paul. Et c'est pas lui qui fondait l'église là. Yo ba plusieurs recherches, yo ba plusieurs explications et sur comment l'église là fait arriver établir à Rome. Première explication, yo dit ah, c'est assemblé visiteur ça yo qui t'a participé nous songeons dans événement Pentecôte là l'esprit bon Dieu te descend qui est prêché il y a environ 3000 moun qui converti en meilleur disemble c'est quatre nan moun ça yo qui t'est dans événement Jérusalem non après qui tournait la caillou dans pays Rome et puis qui t'a allé commencer l'église là à chapitre 2 le verset 10 il expliquait nous et événement ça il y a l'autre monde qui dit tout semblait après au fin craser Étienne en bas coup de roche nous songe Étienne il a crasé monsieur en bas coup de roche et pareil ça l'État capable peut-être un élément qui, dans Acte chapitre 1, verset 1 à 14, qui est capable de permettre que l'évangile là, gagne, arrive dans le pays de Rome. Il y a un monde qui dit tout, ah, c'est pas peut-être visiteur seulement, c'est pas peut-être monde ça qui était témoin la mort et sacrifié, qui a crucifié, qui a crasé Étienne en bas de droite. Il y a une parole de Aquila avec Priscilla. Ah, mais Aquila et Priscilla, yo di moun sa yo, yo fait partie de un ensemble de juifs que empereur romain Claudius te couri derrière. Ah, mais moun sa yo couri, yo al à Corinthe, yo joine Paul là, dans chapitre 18, verset 1 à 2. En ben, yo di semble se moun sa yo ki ta retourné après al établi pote l'évangile là nan pays Rome au point que yo di que Aquila avec Priscilla yo te même gagné l'église la caillou. Là ap gade établissement l'église là nan pays Rome ou te puisse présenter li pour montrer que l'église là c'est ton l'église de maison il y a différentes congrégations qui t'a rencontré dans les maisons ou capable joindre référence ça dans Romains chapitre 16 verset 5 ou bien Romains verset 14 verset 15
yo di ke, donc l'église là t'a rassemblé dans différentes maisons, yo parlé de Priscilla, yo parlé de Aquila et donc etc. Donc ainsi comment l'église là ça vérité c'est que l'église arrivé l'évangile là arrivé dans pays où. Amen. Peut-être l'arrivée à travers visiteurs qui étaient dans Jérusalem le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint descend. Peut-être l'arrivée à cause de persécution, empereur Claudius, ta couru des Juifs au gaillé. Remarquez que persécution était des propagations de l'évangile là. Elle dit que la servie témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Amen. Persécution, au lieu qu'elle te cesse l'évangile là, elle te facilite expansion l'évangile là. Yo couru des mounions en Jérusalem, yo tombé en Judée, yo bay l'évangile. Yo couru des en Judée, yo tombé en Samarie, yo bay l'évangile. Yo couru des en Samarie, côté yo rivé a, yo bay l'évangile. Contrairement, les moun pense que yo ka empêcher l'évangile là faire chemin, persécution pas persécution, l'évangile là a fait route li. Donc, question ça, c'est Nathalie, si nous avons demandé comment l'église a dérivé à Rome, bon, si vous avez une réponse, c'est peut-être 300, 3000 personnes qui sont occupées dans Jérusalem, qui sont occupées. Si vous dites peut-être que c'est les gens qui sont occupées, qui sont courues derrière, et qui sont rentrées à Corinth, puis à Corinth, si vous avez une réponse, c'est pour ces Priscilla ou bien c'est à qui là, les gens qui sont occupées. Donc, tout le monde est occupée. yes, definitely. Tout le monde a rien parce que donc il a pensé ouais comment l'église là mais ça qui est important, l'église arrive à Rome et nous tous d'accord que c'est pas Paul qui t'a établi, c'est pas Paul pour la première fois porter l'évangile là dans pays Rome. Mais c'est tout mouvement ça yo, toute activité ça yo, toute attaque ça yo, toute couridée chalbari ça yo devant chrétien mais l'évangile là, il est arrivé dans le pays d'Europe. Maintenant, l'église là, il était composé de deux groupes. Les païens, qui étaient en majorité, et les juifs. Les païens, en majorité, les gentils. Pour faire différence là, tout le monde qui ne peut pas considérer encore. Ou une relation ou toyo ou nan pas juif là, amen, qui est considéré au païen. Donc, sans Dieu, sans espérance, privé de droit de cité en Israël, etc. Donc, des groupes juifs, qui sont là, c'est païen. Quand ils sont à côté de ce dia, c'est païen. Donc, moun qui, par contre, bon Dieu, moun qui a servi les idoles, moun ki gen lòt bagay ap servi septe bon Dieu sa. Donc yo konsidere se deux group moun sa yo ki e formé l'église la. Ayen et juif. Maintenant, malgré ça, réputation chrétien nan Rome gayé, la gayé, tout moun attendé comment les chrétiens de Rome a fait progrès dans la foi et dans l'obéissance à l'évangile. Romains, dans le chapitre 1, verset 8, là, Romains, chapitre 16, verset 19, lit parler de la foi. Paul même bat bravo pour les chrétiens de Rome, pour le temps de Jean y a mené dans la foi. C'est belle bagaille, oui. Les chrétiens, l'église, là, a une bonne réputation. L'église là, donc il y a vive l'évangile qui a prêché. Mais deux bagages ça yo, mais yo te connaît l'église ou on pour deux bagages ça yo. Bon chan la foi et obéissance à l'évangile. Donc livre là dit nous Paul te gen go envie. Li gen gros, li caresse gros désir pour aller visiter moun yo. Pour quelqu'un communiquer ou quelques dons spirituels, mais aussi pour collecter quelque assistance pour l'autre chrétien dans l'autre, soit il parle en Espagne ou bien l'autre chrétien. Il y a une bagarre où Paul était toujours entreprendre, lui permettre que les chrétiens yon supporter l'autre. Si les chrétiens de Fès ont des problèmes, amen parle aux chrétiens de Corinthe, ou bien parle aux chrétiens de Philippe, amen pour yon aller en aide aux besoins. De ses bien-aimés, la solidarité chrétienne. Amen.
Paul était toujours un gros désir. Après, il exprimait ça. Dans le chapitre 1, verset 11 à 12, il dit, oh, j'ai un gros désir, j'ai une grosse envie pour me visiter nous, frère. Nous entendons parler de nous, nous entendons gens la foi nous, et dans bon Dieu, dans l'évangile, la gaie, etc., etc. Nous avons un gros désir pour nous visiter nous. Maintenant, qui ça qui. Pendant ça, il tendait ça qui a passé dans le pays. Mais bien, bagaille qui est plus important, qui peut pousser que Paul écrit. Pas les téléphones de l'église, là, il explique ça déjà. Mais bon bagaille qui peut appeler. Pas bien me dire que l'église a deux groupes de monde en particulier, les païens et les chefs. En dedans, jeune église, ça, qui s'en les professeurs judaïsants. Les juifs, les professeurs judaïsants, et ces professeurs, ils ont traité, en dépit que pour la prêche, l'évangile, par la foi, par la grâce, etc., etc., non par la loi, mais eux même yo dit mounyo nous pas bon si nous pas circoncis nous pas bon si mon même pasteur yo même c'est sous la loi yo campé donc c'est ça fondamental c'est ça de belle gueule yo dit mounyo non pour nous même juifs c'est et païen c'est vrai yo accepte non dans l'évangile là nous acceptons dans l'église là mais dans les conditions pas de pas. Pour toujours adopter principe, sous pas circoncis ou pas la donne. Sous pas observer le genre la loi amendée là ou pas la donne. Amen. Paul lui-même, c'est raison ça même. Livre, il prend des décisions pour l'écrire, mon Dieu, pour le fixer avec jouet là. Pour le fixer avec jouet là. Pour le dire, pour le parler, puis il dit ah non. C'est pas parce que vous faites bon moyenne dans la classe mondiale qui fait que mon Dieu fait grâce, mais c'est mon Dieu qui va décider de faire grâce, même par la foi, qui vient faire que vous passez classe là. C'est pas bon moyenne nous faire. C'est pas ce qui pisse, mais ce que c'est pas bon moyenne. C'est pas bon de me craser bête, mais comme en forme, vous faites bon moyenne et puis dit mon Dieu, mais quand même, bon. Maintenant, attention, il doit être juif. Qui tout tes parents, règle de la cunia, à fou pour tout passer à passeport, c'est Jésus-Christ. Yes. Et le route pas bras, c'est Jésus-Christ. C'est par la foi. Et c'est pour ça que dans l'introduction, je me dis que, il n'y a pas de livre, la lettre de Paul aux Romains, ça le fait, c'est que c'est pour le mettre en face. Donc la loi te parle de Christ, le sacrifice, etc. Mais Christ vient, c'est réalité à cunia. Tout ça nous besoin, tout ça la loi pas permettre, nous mettre des capacités pour nous faire, maintenant nous pas l'accomplir. Maintenant, les dix, c'est raison, ça les dit, attention, messieurs, pas qu'il y a quelqu'un dans le jouet là, pour l'écrire, pour le fixer, le jouet là. On dit maintenant, question 1, c'est par la foi et par la foi seule. C'est sauvé par, étant obligé par la foi, nous avons la paix, etc. Libre les énumérons ensemble de bagailles. Now, donc c'est pour que l'idée fixe un jouet là, pour exprimer la nature de l'évangile de la prêcher. Et c'est pour ça. Pasteur, bon, petit pause. Nous vraiment contents, ça que Jean-Pasteur a présenté libre, mais so far, nous avons joint que en pile information dans 13 lettres que pratiquement qui t'a écrit, que Paul a écrit, mais nous joint libre, mais son livre qui vraiment important. Nous t'a dû lire ou livre ça chaque jour. Nous fin lili c'est sûr que ou a gagné toute la vie ou va pas repasser au li ou mettez dans tête ou mettez vocaban ou mettez koto ou vle dans machine pour capable tande sou pa temps pour ouvrir bible là bon moi même gagne temps lire pour ou ouvrir bible là ça puis belle là c'est que
livre ça t'est écrit à Corinthe et puis non seulement t'est écrit à Corinthe mais qui est écrit c'est Paul pendant période de 57 à 58 pendant dans espace troisième voyage missionnaire de Paul c'est là t'assemblé que livre ça écrit Paul c'est pas lui qui fondateur en livre l'église romaine mais grand pile bah il t'a passé Paul t'a obligé intervenu pour capable aider comme moi apôtre pour t'a aider expliquer comment règle je t'a doyer c'est bon question de ça fait soif fait avec force pas ou mais c'est pas parce que tu fais bien nous tu fais moi nous l'école qui vont passer mais c'est tout bonnement bon Dieu pour grâce à travers Jésus-Christ spécifiquement par la foi et non pas ça fait la loi c'est pas lui même c'est mon question de circoncision nous saluer tout le monde qui sur live là encore une fois mes amis partager la vie là bon petit temps pour nous partager parce que parole bon Dieu très difficile pour mon yo joindre mon yo petit gens pas intéressé mais nous faire là en façon pour qu'en remel pour qu'en garder jouer avec elle dormir avec elle manger et puis il pas tout vol il pas tranglo parce que gens nous baoul avec un pile sucre nous mettre en pile sirop là-dedans pour capable bien joindre. So nous saluer en tout monde qui montait Travel the World in Creole. Nous saluer pasteur Vernet qui est avec nous en liste qui représente El Shaddai by Alliance qui est ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse tout staff El Shaddai la cap suivre. Que bon Dieu bénisse aussi sœur Lenia qui a fait un bon travail qui partage live là et tout l'autre monde qui partage live là, bon Dieu bénisse nous. En nous continue avec pasteur Dorsinville. Merci, me saluer tout audience qui a participé avec nous. Maintenant, gagner l'idée centrale libre, le terme ou bien le verset clé. Gagner deux termes centrales que nous avons abordés pour le livre. Premier terme, c'est le juste vivra par la foi. C'est un gros terme que nous avons parlé là. Le juste vivra par la foi. Mais il y a un verset clé qui domine le livre là, que nous tous connaissons, que nous en pile là nous connaissons, c'est Romains chapitre 1er, il a considéré comme terme. Romains chapitre 1er, verset 16 à 17, Paul dit, je ne prends rien de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement des juifs, des grecs, etc., etc. Donc c'est à et puis il conclut lui le juste vivra par la foi. Donc et pratiquement lui verset ça lui embrasse des concepts là. Et mon tellement dit terme central là le juste vivra par la foi ou englobe non seul verset A Romains 1er verset 16 à 17, il dit que je ne prends pas l'évangile, etc. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, premièrement du juif, et ensuite parce qu'elle dit à travers, et la justice de Dieu s'est révélée par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, now, vous gagnez le livre là, l'importance là. Auteur li, qui côté l'écrit, dans qui période c'est vraiment écrit, comment l'église l'a fait établir à Rome, pour qui raison pour l'écrit avec les chrétiens de Rome, verset clé dans le livre là, maintenant t'a remet que moi passer brièvement parce que son livre qui est tellement délicat, chaque mot la donne son c'est tout ton chaque mot la donne. C'est tout un temps pour vous étudier. Li. Maintenant, on nous garde structure livre là. Il y a différentes outlines, il y a différentes structures présentées. Donc, mais, il y a un camarade qui a dit Dexter Sammons, lui présenter. Structure livre là comme ça ou quand il y a différents autres monde qui présenté de différentes façons soit appelé version livre bible annotée en pile l'autre côté quand il y a différentes structures mais la vérité c'est que il y a stick le même message là maintenant sur le chapitre 1 c'est l'introduction Paul présenter tête lui comme moi Paul apôtre de Jésus-Christ appelé à être apôtre etc pour présenter l'évangile pour amener les croyants à l'obéissance de la foi ça c'est l'introduction ensuite Paul vient aborder donc
l'universalité du péché pour aborder la question du péché. On dit que juif, d'un coup, païen, nous tous coupables devant mon Dieu. Après, la dit que et pareil, mon dit fait bien, etc. Parce que et juif, comment ils font argument là? Ils sont abdés là. Nous c'est Pythagore, nous gagnons la loi, nous gagnons circoncision, nous gagnons ceci, nous gagnons cela. Et parle bien attention devant mon Dieu. Hey. Devant mon Dieu, personne ne me dit. Il y a plein de monde qui dit que nous sommes coupables. Nous tous. Bon Dieu mesure dans tout dans timam de justice là bon Dieu mesure nous tout ça parce qu'il dit pas dit pita bon si vous même qui nous gain la loi bon pas obéir la loi là pas représente rien si vous même qui dit que vous gain circoncision et que monde qui pas circoncision vive plus bien que vous même ah pas conséquence on va dire voilà et la première partie c'est l'introduction l'introduction pour le présenter tête lui et pour qui raison et lui là etc. Il parle d'abord des dossiers péché et il parle à partir de verset 18 et chapitre 1 verset 18, il parle montrer le à cause du péché le besoin du salut. Il parle dire hey, ou même pas un ou égaré dans penseau ou a vu selon folie ou moins au lieu pour adorer bon Dieu créé ou qui créé là ou adorer créature ou égaré dans pensée ou man ou changer nature femme tourner garçon garçon tourner femme ou égaré ou même il dit hey péché c'est lui qui mène on a été ça ou besoin de délivrance il parle des juifs là pour dire ou même tout à réclamer ou bien la loi ou bien ceci ou bien cela et fort ou pas non côté pour ça c'est bon Dieu ou même tout ou besoin passer dans en bas délivrance et justification par la foi. Justification par la foi. Qui témoin dit bien vite, qui ça? Justification en yé. Ça me dit bien vite. Et pas que au travail, ou bien juste. Mais son déclaration juridique. C'est pas si m'a dit que, ou devant tribunal, bon Dieu, bon, ou ou te mettre faire œuvre pour plaider non coupable mais bon Dieu quand ta connu non coupable. Amen. Ou te devant tribunal bon Dieu non coupable. Amen. Au lieu pour juge là juste d'avoir en prison. Li de quand ça passé ça na tout. Ou mettre aller mais pas péché encore. Ou mettre aller. On pas retenir charge la compte. C'est ça me ta réunion amnistie et pas coupable ou pas coupable non. On a relon amnistie. Bon Dieu déclaré même. Li dit yo te wow, c'est cela, il dit moi-même moi déclare juste. Et comment pour bénéficier nouvel statut ça, c'est par la foi. Et comme si on prend justice moi m'fourel dans vie. Nous on chaque fois bon Dieu wow chaque fois wow comme on péché condamné mais wow comme on Dieu recevoir la grâce toute soyez à ces grands merci Christ là donc il aborde question sur justification il aborde il dit pas qu'un salut dans aucun autre temps il aborde question il dit que nous toutes coupables devant bon Dieu nous tous besoin que bon Dieu juge là il prend décision pour lui délivrer donc, il dit, c'est la justification par la foi. C'est par la foi qu'on accepte. C'est la provision, en fait. C'est par la foi. Il dit, c'est par la foi. Bon Dieu prend justice, lui. Il met la justice, nous. Amen. Il bat nos exemples Abraham. Il dit, Abraham, son modèle, la foi. C'est pas parce qu'Abraham, l'Abraham te vit par la foi. Et la foi fait que il vient déclarer le juste. Il continue pour le parler à cause justification ça mais résultat que le bail mais résultat que le bail il dit un il délivre nous en bas colère bon Dieu parce que depuis dans chapitre 5 la verset 1 moi j'ai dit dans cœur là il dit kounye a m'a vu qu'est posé à bon Dieu dans merci Christ là amen on t'est ennemi bon Dieu à cause péché a bon Dieu dit tikote moi avant te nous régler li. Et puis, quand il y a un chapitre 5 là, Paul de Gonzague arrivé, les bienfaits, à péché, nous t'es rebelles, etc. Mais il dit maintenant, travail justification, hein, dans le chapitre 5 là, il dit, quand nous t'es gagné, on le finit. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la conduite. Et quand là, il
li fini. Et c'est bon Dieu même qui te prend initiative là, oui. Pour faire réconciliation, c'est lui-même qui te prend initiative pour faire réconciliation. Il dit à cause ça, mais ça nous bénéficie. Il dit que nous chappons par colère, bon Dieu. Nous avons espoir, nous avons la paix. Deuxièmement, il dit à cause du travail de justification, nous délivrons par péché. Nous délivrons par péché. Parce que il dit le salaire du péché, c'est là, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle à Jésus-Christ. Il dit nous sommes morts à cause du péché, mais nous vivons spirituellement vivants. Na Christ là. Li dit maintenant chapitre 7 là, li dit qu'on y a nous libérer en bas la loi. Entendez bien. La vie chrétienne pas sans règle, je veux être là. On connaît grand pile vous savez que théologie qu'a tendez dans moment ça. Et une question il là-bas. Ma fini oui, ma fini. OK. Mais différence que la grâce fait pour nous. C'est nous dire, oh non, nous pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et Paul dit la loi est spirituelle. Mais ça crive qu'on y a. L'Éternel dit au lieu que la loi a mette, notamment, il est comme si la loi c'était la lettre. On met sur papier devant nous en exigeant par exemple, mais quand il me dado où ouais, limite dans limite trafic là yo dit don't turn on red ou garde en haut ou garde en bas ou pas la police ou j'ai tout ou pas critique ou pas bon moi joie non ou n'y a ce qui dit mais ça l'évangile va le faire il peut dynamiser le concept de la loi même bon Dieu à tout cœur même prochain nous ça dans la loi. Mais elle dit maintenant, il n'est pas comme un fado, mais elle parle que son obligation d'amour. Ou pas obéir parce qu'on prend un châtiment, mais on va obéir parce qu'on aime. C'est une grande différence. Ou on va obéir parce que je aime mon Dieu. Il dit, je ne vais pas aller frère, je ne vais pas aller frère parce que je fais un châtiment, mais je aime frère parce que j'ai l'amour pour mon Dieu. Deuxièmement, ça que la grâce fait nous, c'est la grâce transformante, c'est la grâce transformatrice, the transforming grace, ça le fait nous, lui changer tendance nous, lui changer qu'est nous, lui changer disposition nous. Ça veut dire que sous tête toujours être dans dimension, moi-même c'est petite maman, petite papa, non? Les moun nan font bagay ou ta ki mwen même petite maman petite papa pou ta faire mon bagay pou loi maman loi papa nan tête pou non mais l'évangile vous a passé kounya m'a tiré loi tendance loi maman loi papa pour l'esprit revenant m'a fait kounya m'a établi en loi d'amour nan cœur ou c'est pas parce que pou ta rem évangile non c'est parce que pou ta rem mais kounya cette transformation de tendance spirituelle là divine fait que semblait des fois moun les pou pour égarer parce que ou même accepter les injures des autres. Il dit que libérer nous de la loi, mais nous ne pas venir comme un bon monde sans foi ni loi. Si vous voulez savoir, il dit que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que l'homme chrétien, ou toujours qu'on va nous avoir, ou pas de qu'on va avoir madame prochain, ou toujours qu'on va nous avoir tous les prochains, ou toujours qu'on va nous avoir l'homme prochain, ou toujours qu'on est que c'est pour respecter madame prochain. Ça n'a pas changé, excepté que vous n'y a la loi de l'esprit de vie en Christ, lui travaille sous tendance, mais pour nous avoir madame prochain, pour le mener qu'on y a une ambiance de fidélité. Pour le déclarer juste. Encore, par contre, si je comprends le créole là bien. Ou bien, est-ce que vous avez choisi? Mes réponses là, c'est la foi. Tout le monde qui a accepté l'œuvre de Christ par la foi, ou bénéficier. Ou bénéficier, ou c'est pour qualification, c'est par la foi.
par la foi. Avez dit pas non, parti prier et pas la foi. Juif païen par la foi. Par la foi. Mon godo veut mener maintenant ça c'est pour l'autre fois, mais du cœur par la foi audience moyen par la foi. C'est passeport à ça. La foi dans Christ là, dans sacrifice là, lui mourir, lui pardonner péché nous, nous recevoir la vie éternelle. Donc la foi, la foi. Donc maintenant, si vous pouvez amener dans l'autre débat, prédestination, ceci, cela, ça sont l'autre affaire, ça sont l'autre question pour l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on est d'accord, prévenez la foi, la foi, la foi. Ok? Nous sommes dans Roméen, nous sommes dans Roméen, la foi, et comparé avec la loi. L'on évite un pasteur Vénère, n'a pas parlé ce côté la foi, la foi, la foi. Mais dans la question, il va. Est-ce que la loi est remplacée par la grâce? Je dis que nous pas d'attendre, non? Mais ça, vous ne comprenez pas. Mais ça, pour l'expliquer dans le livre. La loi, il est écrit devant nous. Paul dit, mais à cause de faiblesse qui n'a pas de capacité pour nous faire ça, la loi, amendée. Jésus dit qu'on y a, attendez, mais moi, faiblesse, nous. Il dit même si vous avez fait 99 et puis vous ratez une, vous péchez contre toute la loi. Jésus dit, mais ça m'a fait Kounia. Pour nous faire, pour faire bon Dieu plaisir, on ne peut pas quitter Kounia, c'est nous qui battons bête nous pour nous passer. Mais moi-même, ma bonne nous capacité, ça peut aller à me dire que la loi de l'amour, la tendance nous a transformé, et c'est 2 Corinthiens 5, 17 là, et nous chanter ce cantique qui dit que tout est différent, je vous dirai pourquoi. J'ai donné mon cœur à Jésus, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi, ça, ça, pour l'établir, lui pas dit que nous tombons de monde qui s'en règle des gens. Lui dit plutôt au contraire qu'on y a. S'il te dit, mais bon Dieu, avec tout cœur, avec tout amour, avec toute pensée, avec etc. Lui dit qu'on n'est pas non seulement bon Dieu, c'est pour lui, avec tout cœur, avec toute tout pensée. Lui dit que bon Dieu vient mettre l'esprit dans la capacité pour aimer bon Dieu avec tout cœur, avec tout nom, avec toute pensée. Et dans la loi de l'amour, on nous libre pour nous aimer bon Dieu. Et là, obéir bon Dieu, c'est avec obéissance, c'est avec l'amour. Et comme son petit monde, lui obéit, et parce qu'elle veut nous appeler, lui obéit, mais le remon, lui obéit parce qu'elle remet, et puis il fait bagala avec joie. La loi était pour tes tristesses, mais qu'on y a Christ dynamisé bagala, lui vient faire que maintenant, obéir, quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous content en Jésus. Lui pas la gaine pour contre nous, lui pas la gaine pour contre nous kounia tout là we were struggling nous nos faiblesses nous incapacité nous li de kounia ça m'a fait pour nous hey ma ben nous capacité pour nous capable faire ça mandé on t'a dit bon Dieu juste mes frères et sœurs pour nous mettre bonne bagaille devant nous connait nous pas capable passer classe là mais li dégager pour nous passer il dit non non moi pas c'est pour dégager pour passer classe là il m'a bon moyen pour passer classe là m'a bon moyen pour aimer bon Dieu m'a bon moyen pour servir et cetera règle je vais passer par la foi nous dit la foi dans bon Dieu moi juste par la foi moi sanctifié par la foi moi c'est petit bon Dieu par la foi nous sommes nouvelle création par la foi d'être la payé par la foi l'œuvre rédemption moi libre moi payé kounia tout ça mié kounia c'est par la foi crédit à pas pour moi crédit à parce que nous sommes plus bon chrétien mais crédit à Dieu soit la gloire yes madame bye pour ça yes. On ne sait pas rien faire pour ça mais c'est garder moi comme ça mais dans les biens qui t'aiment tout ou pas sans responsabilité non ou pas sans responsabilité on t'a dit ah bon ensemble les grâces là sur bagaille bon Dieu bail là mettre tout en grâce grâce là pour mon passe non on est bien il dit non au contraire on est bien il dit comment faire avec Christ fini libéré dans ma péché puis bon tout pas bile dans péché encore il dit non ça grâce là faire et bon bagaille ba ou là du la grâce on passe pour mettre toujours non au contraire grâce à transformer où pour capable vivre et vous laisse dit la Bible chapitre 6 ça il dit que ouais et nous baptiser à nous mourir avec Christ nous mourir par rapport au péché et nous lever avec Christ pour nous mener notre qualité la vie en qualité la vie en liberté en Christ nous à obéir kounia nous à servir bon Dieu avec force et c'est pour ça que chaque chrétien se sent dit que ou bien faiblesse dans la vie ou dans la marche ou à chrétien amen dit Seigneur même mettez force dans faiblesse moi qui t'aime faire volonté donc frère France ça fait quelques années
Salut, frère France, frère France, frère France. Alvarez, et Nek Belé, et Govoal, frère France, dans la classe, c'est l'école dimanche, mais frère France, m'en crois pendant des années, que bon Dieu béni. Donc, mes frères et sœurs, l'aime fini, vous n'entendez pas, oui, l'aime fini. Allez, liberté en bas colère, bon Dieu, liberté en bas péché, liberté et en bas la loi. Maintenant, c'est la loi de l'esprit de vie. Nous pas condamnés pour mourir encore. Maintenant, nous jouons liberté dans Christ. Et puis, qu'on y a, l'idée qu'on a, l'évangile, ça a grâce à tes bouts. Tout est juif, quitte ou t'es païen, païen ou pas bras son seul chemin. La foi en Christ, le justice par la foi et par la foi. Donc, Israël, nous avons un privilège, mais semble avons fait boire, nous avons fait chèlbe, ou qu'on est tout bonnet, tout neuf, ou qu'on a fini rivé, dans les hey, c'est pour venir dans la dimension de la grâce là, pour comprendre qu'on a tout le monde, c'est la grâce, c'est pas la grâce pour sauver. Et puis maintenant, l'elfine exposé les grandes doctrines de la justification, de la sanctification par la foi. Il dit maintenant, après, nous finissons prendre des petits bagages, ça y est, qu'on a, nous disons, mes problèmes, non, j'ai des péchés, hein? Mes solutions, c'est justification par la foi, etc. Et puis il dit qu'on y a un bien. On a le vie pour mon Dieu. C'est pour ça, l'entrée du chapitre 12 là, il dit maintenant c'est la vie chrétienne. Et parce que l'introduction chapitre 12 là, il dit que, ainsi donc mes frères, par la compassion de Dieu, tout ça, mon Dieu fait pour nous, par la foi, miséricorde, justification, tout ça, mon Dieu fait pour nous, à cause de tout ça, nous recevons dans mon Dieu déjà, il dit qu'on y a, c'est pour nous offrir la vie, nous comme un sacrifice vivant. C'est pour nous, pas pour mon Dieu. Parce que, si c'est pas ça, travail justification, hein, li enfin. Travail bon j'étais fait, pardonner péché, etc. Li enfin. Il dit maintenant, comme moun qui justifié, comme moun qui ici, moun qui réconcilié, comme moun qui n'a pas en bas, il dit qu'il y a, faut vivre pour ça nous y a. Faut vivre pour ça nous y a. Et pour ça, il dit que c'est pour nous offrir pour nous comme des sacrifices vivants, saint et agréable, etc. Et puis, l'Elfine dit ça, ça c'est la vie pratique qu'on a. Libra dit, comme on qui justifie, hey, mais comment vous nous conduisez nous en général dans la vie chrétienne? Nous. Libra dit, comme on qui justifie par la foi, ah, faut obéir autorité, oui, gouvernement, faut obéir, oui. Il dit, comme on qui justifie par la foi, hey, mais comment vous nous comportez nous envers frère, nous, dans chapitre 13 là. Et puis, dans chapitre 14 là, il dit, ah, mais comment vous nous comportez nous envers frère, bien qui faible dans la foi, nous-mêmes qui formons, mais comment? Il dit, nous, mes comportements, mes comportements. Et puis le bras prend, et puis en conclusion, livre dans le chapitre 15 là, livre dans chapitre 16 là, pour le fond série de remarques, pour le fond série d'introductions, pour le bon dernier instruction, et puis libre le peuple en bénédiction. Libre le peuple en bénédiction. Donc, amis Fabio, si nous avons toute notre question, ça c'est pour la prochaine fois. Et Pasteur Vernet, pour venir, c'est pour la prochaine fois. Toute notre question, yo, laisse Nathalie ouvrir. Et plateforme non, nous allons prendre 3 aides dans la bonne fond plateforme en live, en débat théologique. Mais mes frères et sœurs, qui t'aiment, dis-nous à cela. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est mon bon Dieu qu'on y a. Rêve dans la foi, vive par la foi, que la foi et grâce de Dieu, les transformer la vie nous, pour que nous soyons capables de vivre chaque jour vivant jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume. Merci pour l'opportunité. Mandez Nathalie question, pas moi d'une question. Parce que vous allez, non? So, alors, moi, parce que dans ce bill déjà passé, vous pratiquement, toute question qui pose là, moi, depuis ma joie la grâce, je fais assembler. Parce que la grâce là pour moi bon parce que j'ai déjà expliqué que la grâce là il pas de dire nous qu'a péché moi quelqu'un t'en répond ça ne pas faire ça nous voulez ça nous plutôt c'est pas son arroyé ou courir j'en voulez mais on l'amour qui vient à travers la grâce qui vient développer qui permet que on connaît qu'on doit aimer prochain ou pas offenser prochain ou pas voler bagarre prochain conseil que on pas faire ça maintenant sous la grâce ça c'est ça fait. Ouais, pour la essayer de parler avec l'église en romain, et puis qu'à former le non-sens, ça veut dire que pas malgré sous la grâce, mais ça pas bailler. Remarquez que oui, ça Paul dit dans chapitre, chapitre 3, chapitre 4, 5, 6. Là, tu dis moi une question. Hein? Est-ce que la grâce, ça veut dire que, comme ils ont une licence, comme si, faut faire plus péché? Une carrière de plus grâce. Paul dit jamais, loin de là.
Loin de là. Je me sens dans l'histoire, même pas dans l'histoire, et je me sens que le général Zahar rentre dans le fort. Il dit tout le monde qui veut vivre dans la liberté, ranger autour de moi-même, rentrer dans le fort. Tout le monde maintenant qui veut esclave blanc encore, saute dans le fort, aller. En même temps, nous rentrons dans le fort Christ là, tout le monde qui veut vivre dans cette liberté, c'est pas un pour dire que, oh, plus grâce, plus péché. Non, non, Paul dit non, 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 non. Oh, là où la grâce, là où le péché abonde, la grâce assure abonde. Mais semble plus, ça me fait plus péché, mais quand plus grâce. Paul dit, comment t'as fait que nous avons fait une liberté? Loin nous, de là. On t'a fait esclave encore loin de là. Mes frères et sœurs. Yes. Ça nous aller. Loin de là. Pasteur, bon, moi, posons une question avant aller vous écouter, par contre, ça fait ça. Ok. Gagné, live ça que nous faisons, pratiquement, c'est pour la famille, nous essayons comment réunir nous, parce que c'est très difficile pour nous lire la parole de Dieu. Et puis, nous faisons quelques autres bagages encore, nous présenter quelques autres monde dans le domaine qui viennent après l'élection pour capable former nous par tous les moyens. Est-ce que son bon travail qu'a fait ou comment comprendre le travail? Bon, c'est mon travail. C'est mon travail qu'a fait. Et je dis à tel que nous gagnons le magic of social media. Et peut-être dans le temps, on va venir à Miami pour nous rencontrer à Rome, pour nous faire parler. Mais quand je suis là, juste dans le mystère de la mon niveau, quand nous mystère, je vais nous venir visiter, nous venir visiter la ville là. Vous comprenez? Donc, nous avons parlé. Donc, son bon travail. Ça, c'est contribution par. Ça, c'est ministère par. Fais-le. M'encourage au Feli, il y a l'autre monde qui a fait l'autre ministère qui a fait l'autre bagage. Ça, c'est grain de sel pas dans la société. Feli, si il y a monde qui bénéficie, si il y a deux monde qui bénéficie, cinq monde qui bénéficie, gloire à Dieu, deux monde qui bénéficie. Continuez à faire ça, va faire, c'est de la grain monde qui va apprécier, qui va apprécier, c'est pas ça qui est important. Donc, vous sentez bon Dieu maintenant que vous Feli, ou Feli, parce que non, parce que les problèmes de la famille, aucun problème, tête chargée à gauche à droite. Son monde qui tête en bas, etc., etc. On pense que c'est temps pas nous, la génération pas nous, pour nous faire, ça Paul t'a fait quelques générations avant, mais je veux dire, c'est nous là. Et pour nous faire, soit pour nous aborder des questions familiales, soit pour nous aborder des questions de la foi, soit pour nous aborder des issues sociales, ça c'est temps pas nous. Donc, ni moi-même, ni vous-même, nous ne sommes pas là. Ce sont l'autre monde qui a fait. Autant que terre a existé, tout bagaille là sont l'autre génération ces petites pas qui va le faire puis devant pour qu'on y a là on peut ça n'a faire pour que les rive devant bon Dieu pour dire bon et fidèle serviteur me confie au petit bagaille qu'on y a rentré vinn bambilé dans gros bagaille pour ça me réserver donc ce bon travail qu'on a fait m'encourage au Feli donc etc. Nous là pour tout ça nous qu'a fait pour améliorer ce service là donc nous là pour monde où qui capable d'eau puis pour une pi pimpant online on va à la gouverne etc. Ça c'est un bon travail lié n'encourager mon yo pour être dans la parole au lieu que y a perdu temps yo sur social media annoncer du bagage qui pas nourrir rien dans yo même parce que yo besoin ni nom ni corps ni l'esprit yo tout yo même mais encourager yo pour capable participer dans programme même genre ça nous gain sister Lenia qui ensemble avec nous pasteur Bernard Jou merci pour présentation en utilité béni. So nous gagne sister Lenia qui gagne en live le samedi tout. N'encouragez nous, on gagne en pile pasteur qui là, qui gagne des programmes que yo fait en gagne qui sous live, qui online. Tout n'encouragez nous, rete nan bas aider nous. Et puis pasteur avant aller m'a mandé ou si on moun ta besoin joindre avec ou parce qu'en tant que en conseiller on serviteur bon Dieu ou bien qui t'a vle qui t'a dans zone bokoto ap deservi qui pa cherche en l'église qui bon ka joindre nous pasteur. Bon l'église nous là nous dans sud Miami 24801 South 134 avenue et dans Princeton ou bien dans Homestead. Donc, c'est là où tu es capable de venir. Le dimanche matin, de 9h à 11h, nous adorons le Seigneur. Dans l'après-midi, de 7h30 jusqu'à 9h,
nous adorer le Seigneur. Le vendredi de 7h30, vous êtes capable de suivre nous sur Facebook Live là, dans Homestead Haitian, Church of Nazarene, l'église Nazareth au Cap joint nous là, et nous sous la ligne de prière. Chaque jour, mon Dieu, mettez 305-481-91-56, de midi chaque jour, nous soulignons prière ça, de 8 ans à soir, nous soulignons prière là, donc, etc., etc., etc. Et maintenant, si vous avez besoin de numéro, vous demandez ça dans ta ligne à terre, là-bas, oui, parce que venez, si vous avez besoin de numéro, vous demandez ça dans ta ligne à terre, et puis là-bas, avec ça, nous sommes capables de communiquer. Donc, nous, là, dans le sud de Miami, nous, là, dans Homestead, c'est là, nous y est pendant 30 ou 20 plus années. Donc, nous avons prêché l'évangile. Donc, nous passons dans la zone, nous venons bon petit coco avec nous dans Homestead. Nous venons ensemble les légumes. Nous avons déjà besoin de quelques feuilles, quelques bons thés, quelques tisanes. C'est Homestead pour venir nous faire un cachiment. Ou on a besoin de moi-même de bonté. Donc, c'est aussi de vous venir. Ou on a besoin de moi faire papa pour qu'on puisse acheter à l'école. Donc, c'est vous venir. Allez dans le sud. Mon mari va mal dans le sud. Mon qui n'en a pas mal dans le sud. Donc, c'est la bonté. Mais nous allons avoir beaucoup de temps. Donc, je vais là avec nous. C'est avec plaisir pour moi de participer. Avec quoi après midi et Nato seulement pas qui pas à Haïti yo qui peut à Haïti yo bon ka font ti descend nom c'est là non oui c'est la ville vin que il fait vin dans pharmacie naturelle là donc son plaisir parce que avant aller va prier pour nous il va soir va nous la prier il va prier pour nous ca terminer si me pas saluer c'est pollen la boutique va moi et salut les toutes amis, même quand même dans pile amis dans live là. Donc pasteur Wally ordinairement passé sur live là même le de l'après. Ah pasteur Wally depuis une fonte gars qui cocoine avant en Homestead, on va parler cause à live. Il vient au Homestead là, on va cocoine lui l'avait invité du pasteur. Non, moi j'aime manger ça dans avocat et tout. Cocoine qui m'a dit qu'il est pasteur pour monter des cocoine. Yes. Mais c'est mon plaisir nous parler puis nous bâtir des blagues nous tout et donc son plaisir pour que nous fassions comme ça donc les nourris sont bon remède lié et c'est un bon remède lié donc faut ma bonne prescription pasteur Venet faut une prescription vous voyez encore vinn que il fait you know loi que il fait vous voyez fait lever vinn chercher pour remède OK c'est pas seulement il y a 12 ans la pharmacie naturelle mes amis pasteur on nous ferme les yeux nous prier pour nous capter nous la prier merci bon Dieu papa ou te ba nous opportunité ça son moment de joie son moment de joie aussi un moment d'enseignement papa s'il plaît aide nous chaque jour vivre par la foi nous venons tout ça nous besoin en haut par la foi nous sauver par la foi nous justifier par la foi nous sanctifier par la foi nous c'est petit par la foi un jour à ton retour nous va rentrer dans la gloire. Nous bénissons Nathalie dans l'émission ça. Chaque monde qui est souligné après-midi, mando que grâce à compagnie qu'il transforme yo jusqu'à dans l'éternité bienheureux. Merci pour moment ça. Béni nous rester avec nous. Oh, c'est esprit à nous adresser avant. Nous à nos mérites personnels, mais au nom de ton fils Jésus qui vit avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Avant de saluer Tete, oui, ma Tete souligne. Oh, Tete, non, Tete, c'est pour nous, nous, Miami. Tete, nous ne pouvons pas parler dans l'air. C'est à terre pour nous parler. C'est à terre pour nous parler. Tete, pour nous parler. Vous voyez, il faut me botter les trois feuilles pour faire thé. Vous voyez? Ma vie, nous, Tete. Pourquoi la Haïti, non, ma vie, nous. Comme ça, nous sommes cédés avec Pasteur Lenia, oui, parce que la main est petite feuille pour lui. Oui, pour le venir, docteur fait là. Mes amis, va faire live ça. Comment nous faire chaque commune vient là dans la bralée. Nous toujours encourager mon yo pour partager l'amour que vous avez dans le cœur, pour un sourire, un baiser, ou whatever ça lien, juste pour nous capable montrer mon yo que nous content, encourager sourire. Avant aller, n'a pas de font petit sourire pour mon yo, un geste pour mon yo pour montrer. Donc mais. Alors moi partager live là, mon fils me regarde tête en bas. One next time I'm gonna be bel background, okay? So you'll be fine. Bon Dieu béni nous, que bon Dieu fasse mes noms de côté. Bon Dieu béni nous, yo. Bon Dieu béni nous, amis, yo. Okay, now we have to head for commission fail. Okay, bon Dieu béni nous, pasteur. Merci.
Bye-bye. So, guys, mes amis, nous vraiment... Sister Mita, ministre Mita, ensemble avec nous. Bon Dieu béni, sister. Malgré pas si elle est allée, mais bon Dieu béni. Bon Dieu béni, nous tous qui étaient sous live là, mes amis, let me tell you something. I have to announce you. M'te dit nous pour ça que m'bra aller entrer dans le Nouveau Testament. Mes amis, il y a un big surprise pour nous. Mes amis, nous gain pour aller, nous pral entrer dans la création. Nous pral aller en l'histoire de Joseph, mes amis. Nous pral lire un paquet belle histoire, guys. So, dis-moi si tu veux, t'en prie, invite un paquet monde. Invite tout zami nous, tout moun net. Parce que quand t'as dit moi si je veux, nous pral entrer en grand genre dans le nouveau, dans l'Ancien Testament. Ah! Dans l'Ancien Testament, m'pas qu'on aime pas attendre pour moi. M'a commencé lire livre Genèse. Parce que quand m'a dormi, m'a rêvé Genèse. Ok, m'tendre, je dormi pour commencer à rêver Genèse. M'a parlé de Genèse seulement, mais ni m'a obligé pour être l'autre moment, vili livre ça. Guys, l'Ancien Testament, c'est un bagaille m'bakone. M'sati, quand ils sont gros, nous voulons lire là, un gros livre, un gros package. Ok? Ça, c'est l'Ancien Testament. Ancien Testament, si vous m'en belive m'bakone, ou belive, et comme si vous t'avez dit comme ça, moun qui remet à jouer à Zario, yo tout comme ça yo pral non on l'auto million nous même nous pas servi dans l'auto million nous même nous entre dans Bible là nous gagne un pile chapitre dans Genèse là ça veut dire son gros livre sou même on croit dans l'auto million m'a juste chavire l'espoir commencer pour un bac venir dans Genèse ensemble avec nous on prend compte ça que la création on prend voir les animaux on prend loin série de bagarre on prend une série de histoire mes amis on se voit avec Joseph. Hey, non puis on parle de Joseph qui t'est financé, yo t'est venu jeter pour parler de Jean-Joseph pral réussir dans la vie, on parle ça Joseph pral devenu, ça veut dire même pral connaît que la vaut pas n'importe qui, ou capable même monter ouais aujourd'hui ou comme ça demain si Dieu veut, you never know, par contre ça Christ qui rêve ou t'est gain dans la vaut pour. Mes amis, on pas en kembe parole là trop, on obligé pour me la gueule aujourd'hui parce que je dis la brûler me dans kembe pour me parler avec nous. Nous gagnons dimanche si Dieu veut, c'est Pasteur Vernet. Avant de commencer à lire, nous avons du plus dans le live là. Nous avons Pasteur Vernet qui va venir, qui va dire nous mais ça gagne dans Genèse là, mais ça nous va lire pour expliquer nous mais côté nous va entrer. Pasteur Vernet, il passe de présentation, il c'est lui qui est directeur, qui est un CEO, Macone, whatever, en Bible, El Shaddai Bible Alliance. C'est lui même qui a la tête, qui a formé, qui a. Bon, non, au sens qu'a formé un paquet de leaders l'église. Pasteur Vernet, ensemble avec nous, c'est lui qui va venir faire détail livre Genèse avec nous. Et puis, nous avons une surprise, Docteur François, qui vous tournez. Mais ça, oui, je connais le même Docteur François. So, pour tout le monde qui a demandé Docteur François, qui vous tournez, n'a pas rangé nous pour nous faire Docteur François, un petit Jean plus souvent dans le live là, même le lit prend 15 minutes, une fois par mois, nous pas connaît. N'a pas fait un arrangement pour vous, parce que, ou mandé Docteur François, n'a pas Docteur François. Mes amis, il y a un pile surprise pour nous, m'a vine avec l'autre petit bagage pour nous, les affaires médicales, m'a connaît nous, remets ça. M'a pas touché, et bah, ça m'a pas retiré le pour nous, m'a pas cru quitter le, là. N'a bien toujours bien ti nurse infirmière qui a vini et puis tout nous gain l'autre forme de sujet nous connaît n'a besoin dans société à tout n'a pensé ouais c'est une cabine avec des professionnels pour qu'a vini aider et ben c'est au même tout ou son professionnel ou voulez venir dans live ça ou quoi contacter nous et puis n'a pas rangé nous ensemble avec vous pour qu'a vini desservir population by sort en dans jacou tout longer by peuple haïtien peuple noir l'autre peuple qui attendé sur internet là. I don't want to hold you too much guys, so I love you guys. Nous connaissons même nous pas kebe nous trop, c'est un plaisir pour m'être avec nous. Mbangwe love you, non mbangwe like you, non comment mbakale konsa, non konsa.
m'a calé comme ça, c'est vrai, mais le a pas avancé, ça n'a fait, n'a fait m'rete là et puis nous pas bon petit love you, voyez love you, moi voyez là que moi I love you guys, it's was a pleasure to be with you every Sunday and ouvri cœur nous mes amis. Bon moi si m'a capable ouvri cœur pour m'a capable voyez love you pour nous. OK, I love you. Samedi, on bel petit bon ban nous hein, m'a aller. Bye bye.